C'est une séance de quintette un peu particulière, ce soir. Une quintette avec récitant. Le récitant, c'est moi. Et le quatuor, c'est mes amis du quatuor Modigliani. Alors, vous savez, un quatuor, c'est un mariage entre quatre instruments de la même famille, mais c'est aussi un mariage entre ceux qui jouent ces instruments. La cohésion du quatuor et sa personnalité relèvent d'une subtile alchimie que cette conférence a pour but de vous faire approcher. La musique de chambre, sans doute la plus raffinée de toutes les formes musicales, a ceci de particulier qu'elle impose à ses partenaires complicité et humilité, partage et concession. Le quatuor à cordes en est sans doute la forme la plus aboutie et la plus équilibrée, sorte d'idéal esthétique et spirituel, tant pour le compositeur que pour les interprètes et même pour le public. Raison pour laquelle, depuis le XVIIIe siècle, les plus grands compositeurs y ont exprimé ce qu'ils portaient en eux de plus intime, en donnant une place au quatuor à cordes de premier plan dans l'histoire de la musique occidentale. Contrairement aux autres formes de musique de chambre, celle de quatuor à cordes n'est pas une association occasionnelle de solistes. Mais les musiciens qui se consacrent le font dans la majorité des cas exclusivement et à temps complet. Quatre personnalités différentes, réunis par l'amitié, qu'apporte chacune sa pierre à l'édifice, l'un l'éclat, l'autre la rigueur, d'autres la culture ou l'imagination, dans un seul but commun, celui du quatuor et lui seul, au sacrifice souvent de la propre personnalité de ceux qu'il compose. C'est ainsi que se forge, pas à pas, la cohésion du quatuor, sa sonorité propre, en un mot, son identité. Alors j'ai la chance ce soir de m'associer au quatuor Modigliani pour vous faire pénétrer l'intimité d'un grand quatuor à cordes et pour vous faire toucher du doigt quelques-uns des aspects de la subtile relation qui unit ces quatre magnifiques musiciens, Amaury Coëto, Loïc Riault, Laurent Marfin et François Kieffer, afin de vous livrer quelques secrets de leur art. C'est à vous. D'entendre le final, dans son intégralité, du divertimento en fa majeur que chez le 138 de Mozart. Mais êtes-vous sûr d'avoir tout bien entendu? Reprenons et écoutez bien. Second violon, alto et violoncelle vont vous jouer, sans le premier violon, les premières mesures de ce qu'ils viennent de vous interpréter. Évidemment, il manque quelque chose. Et puis,
On va même décomposer, disséquer, si j'ose dire, plus avant, violoncelle tout seul. Pas facile de reconnaître ce quatuor. Alto. C'est encore plus difficile. Second violon. Et maintenant, les quatre vont vous rejoindre ces huit premières mesures que vous avez entendues, instrument par instrument. Alors, sur cet exemple, il est clair que le rôle de chacun est bien différent et combien la richesse de cette musique découle de la subtile combinaison de ces quatre voix. Il est clair également qu'un auditeur qui n'est pas très averti n'en entend qu'une petite partie. Alors, le but de cette conférence, c'est de vous aider à mieux les suivre. La structure et la tessiture, d'abord, fait beaucoup. Au cours de l'histoire, différentes combinaisons d'instruments ont approché par tâtonnement l'équilibre idéal. Et celui qui s'est imposé, ne connaissant plus aucune modification depuis la seconde moitié du XVIIIe jusqu'à nos jours, c'est celui-ci, deux violons, un alto et un violoncelle. C'est-à-dire, en fait, une voix de soprano, une voix de mezzo, une voix de baryton et une voix de basse. Quels sont les respectifs de chacun? Eh bien, le premier violon, c'est la prima donna, c'est le leader. C'est celui qui évolue dans la tessiture la plus élevée, en assurant souvent la partie la plus virtuose. C'est donc la voix la plus facile à suivre pour l'auditeur. Amaury va vous jouer seul la partie de premier violon du début du menuet de l'opus 53, de 59 numéro 3 de Beethoven. Écoutez. Le second violon, quant à lui, il lui revient un rôle de soutien dans un rôle, dans un registre moins aigu, assurant souvent un contre-champ. Il est un élément fondamental de la structure interne du quatuor, en sachant que sa position s'est affirmée de plus en plus au cours des siècles. Voilà la partie de second violon de ce début du minuetto. L'alto, par sa voix plus grave, paternelle, accordée une quinte plus bas que les violons, est un autre élément fondamental de la structure interne du quatuor. Certains compositeurs lui ont même donné un rôle lyrique ou dramatique tout à fait particulier. Voilà les mêmes mesures à l'alto. Le violoncelle, à l'autre extrême du registre, est accordé une octave en dessous de l'alto, c'est la voix de basse. Très structurante sur le plan rythmique ou harmonique, elle s'offre souvent un dialogue privilégié avec le premier violon. François ? Chaque membre du quatuor vous a joué séparément les huit premières mesures de sa propre partie de ce fameux menuetto du troisième Razumovsky de Beethoven. Eh bien, je vous propose d'écouter maintenant les quatre parties ensemble, telles que le compositeur les a mariées, mais le fait de les avoir entendues séparément va peut-être vous permettre de mieux suivre le texte. Les rôles respectifs des quatre instruments ont beaucoup évolué dans le temps. À la naissance du genre, le premier violon avait un rôle concertant, ses partenaires lui apportant le plus souvent un accompagnement, un soutien, plutôt qu'une véritable réplique,
Comme vous le savez, c'est Joseph Haydn à qui on accorde la paternité du genre du quatuor à cordes, et c'est justement dans son final du quatuor Les Quintes qu'on se propose d'illustrer ce propos. Un premier violon qui a un rôle concertant et trois partenaires qui l'accompagnent, qui le soutiennent. C'est la conception du quatuor à cordes au XVIIIe siècle. Ceci va se modifier de façon progressive et voyons tout de suite ce que ça donne exactement un siècle plus tard chez Debussy. Nous sommes passés de 1797 à 1893. Les voix se sont émancipées, rendant de plus en plus complexe l'architecture sonore et les parties ont pris des importances égales. Voyons déjà ce que ça donne tous ensemble dans ce quatuor de Debussy. Vous avez bien sûr parfaitement perçu à quel point c'est plus complexe, à quel point les voix s'entremêlent, à quel point leur intrication est de plus en plus sophistiquée. Mais je vais vous aider un peu. Nous allons leur demander maintenant de vous faire entendre la phrase telle qu'elle se succède, telle qu'elle passe d'un instrument à l'autre, sans les accompagnements. Second, au violoncelle, c'est la même ligne, au premier, au second. Les voix ont acquis une importance égale pour tisser le quatuor. Maintenant que vous les avez entendus passer la mélodie d'un pupitre à l'autre, réécoutez-les tous ensemble. Thank you.
Tout cela ne s'est pas fait en un jour. Mozart, Schubert, Beethoven et les romantiques ont mis chacun leur pierre à l'édifice, donnant au fur et à mesure du temps une voix de plus en plus importante et de plus en plus personnalisée, ainsi qu'un rôle de plus en plus spécifique à chaque instrument. Eh bien, nous allons tenter d'approcher leur rôle respectif avec un exemple puisé dans une même phrase musicale. Chez Brahms, nous avons choisi le premier mouvement du second quatuor en la mineure. Et je vais vous faire entendre d'abord deux à deux, alto et violoncelle, puis les deux violons ensemble. On n'entend pas la mélodie principale, mais les contre-chants. Maintenant, les deux violons ensemble. On entend la mélodie, mais elle paraît bien nue. Les entendre deux à deux vous permet de mieux apprécier l'architecture polyphonique. On remarque ici le caractère mélancolique est donné par l'alto, qui assombrit la texture, mais aussi que le compositeur a offert aux deux violons des lignes parallèles, ce qui n'est pas très fréquent. Par ailleurs, il confie au second violon un double rôle. D'abord tournez vos violoncelles, vous allez le voir, puis vers le premier violon. Les voici maintenant réunis, de façon à ce que vous entendiez maintenant ce que Brahms a conçu. Donc combien il est important pour chacun des musiciens du quatuor de parfaitement connaître les parties de ses partenaires afin de livrer toutes les subtilités de cette conversation à quatre, dialogue que Goethe avait d'ailleurs qualifié de conversation de quatre personnes aimables ou raisonnables. Vous comprendrez ainsi qu'un auditeur peu expérimenté ne puisse entendre qu'une fraction de ce qui se passe dans un quatuor. Eh bien, je vais essayer de vous donner quelques clés pour pénétrer ce monde à la fois intime et captivant. D'abord, en vous aidant à suivre les voix de chaque instrument. C'est assez facile pour la voix dominante, on l'a vu, mais beaucoup plus délicat pour les voix de soutien. Bien souvent, la mélodie principale passe d'un instrument à l'autre, on l'a déjà vu, d'où l'importance pour les interprètes de savoir garder le fil conducteur, comme si le compositeur, dans son rêve, avait confié cela à une seule voix. En fait, il la décompose de façon à multiplier les couleurs, les espaces, les rapports de ton, comme un peintre. Et le quatuor de Debussy est particulièrement adapté, et dans son troisième mouvement, vous allez voir comment la mélodie passe d'un instrument à l'autre. Vous allez entendre séparément l'alto, puis le violoncelle, puis le second violon, puis le premier. Alors bien entendu, pendant qu'un instrument joue la mélodie, les autres ne reste pas inactif, mais nous verrons ensuite comment ils tissent le tissu sonore. Il passe la main au violoncelle. Enfin au premier. Au
Alors, bien entendu, tout ceci se prépare et cette mélodie n'est pas nue. Et vous allez voir comment, par exemple, les deux violons préparent l'entrée des voix plus graves. Comme l'arrière-plan d'un tableau. Et puis le sujet principal qui se dessine. Et qui s'étoffe. On pourrait rapprocher ça des rapports qui unissent l'arrière-plan et le sujet principal, lui donnant un cadre, le mettant en valeur par l'atmosphère bien particulière créée par la lumière, les lignes de fuite ou les rapports de temps. C'est exactement la même chose. Les musiciens et les peintres expriment les rêves de la même façon, mais avec des outils différents. Quels sont les secrets qui font la qualité et l'homogénéité d'un quatuor à cordes? Parce que tout ce que vous venez d'entendre paraît finalement sous leurs doigts facile. Je vous assure que ce n'est pas le cas. L'intonation, appelée également justesse, eh bien, c'est une obligation de perfection individuelle, seule garantie du résultat de l'ensemble. Alors, pour illustrer le sujet, le quatuor Modigliani a accepté, à ma demande, de jouer un peu moins juste que d'habitude. Je vous assure, ça a été assez difficile à obtenir, mais nous y sommes arrivés. Et donc, nous allons vous jouer un petit peu du quatuor américain de Dvorak, d'abord juste, de façon à ce qu'il n'y ait aucun doute sur le sujet. Alors maintenant, j'ai demandé à l'un d'eux, et au hasard, j'ai choisi Amaury, pour qu'il joue faux tout seul. Et vous allez vous rendre compte que quand il est tout seul et qu'il joue faux, eh bien, ça paraît juste. À toi. Vous ne vous en rendez pas compte, mais il joue trop haut. Pas pour ça. Mais ça pourrait paraître juste. Tout seul, ça va. Le problème, c'est quand les trois autres arrivent. Ah, c'est très faux. Alors, naturellement, ils vont corriger. Voilà. C'est finalement beaucoup plus facile pour jouer juste. Vous avez entendu à quel point l'intonation approximative d'un seul des membres met en péril tout l'ensemble. Et que cette maîtrise de tous les instants de l'intonation collective vient bien au-delà de la seule maîtrise individuelle. Et ceci nécessite une attention permanente car cela se mesure en dixièmes de millimètre du doigt sur la corde. Les coups d'archet maintenant et les longueurs d'archet. Ils influent beaucoup sur le phrasé, sur la dynamique, sur l'accentuation. Et l'aspect visuel participe aussi à cette impression d'homogénéité. C'est ce qu'on appelle la verticalité. Alors,
Ça vous paraît évident que tout le monde soit parfaitement accordé sur ces longueurs, mais vous allez voir que ça découle de choix très précis. Voyons ce que ça donne dans les célèbres mesures qui ouvrent le mouvement lent de La jeune fille et la mort de Schubert. Alors, tel que le conçoit le quatuor Modigliani aujourd'hui, voilà ce que ça donne. Même place d'Archet, même articulation, même sens d'Archet, même longueur d'Archet. Ceci aboutit à quelque chose d'extrêmement peaufiné, et ça vous semble évident, mais ça ne l'est pas du tout. Par exemple, le violoncelle pourrait avoir une toute autre conception. À l'alto, on pourrait imaginer une vision plus articulée. Oui, on aurait pu voir ça comme une marche, effectivement plus articulée, avec un circuit qui tourne constamment. C'est toujours Schubert. Il n'y a pas de doute. Tout le monde ne dit pas la tirade des nez de la même façon. Voyons ce que ça donne au second violon si tout d'un coup il décide d'inverser le coup d'archet. Autant de manières fait respectable, n'est-ce pas, Maury? Tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est intéressant parce que tous les choix qui ont été prodigués maintenant sont tout à fait faisables. C'est-à-dire que quand François disait « j'ai envie de vibrer », que la ligne tienne, finalement, c'est pour ne pas lâcher et pouvoir aller jusqu'au bout de la ligne. Laurent proposait effectivement qu'il y ait toujours cette marche qui avance. La raison du pousser pour Loïc, c'est pour que la première note ne soit pas marquée, pour que tout de suite on soit emmené jusqu'au bout de la phrase. Et il se trouve, à notre avis, que dans cet exemple, on peut en fait combiner ces trois idées ensemble, ce qui n'arrive pas toujours. Parfois, on doit confronter certaines idées qui ne sont pas compatibles et voir quelle est la meilleure. Alors, justement, on va vous montrer quand c'est pas compatible. C'est-à-dire que chacun va jouer à sa propre idée. Et vous allez vous apercevoir, et sur le plan sonore et sur le plan visuel, que ça fait quand même un peu bricoler. Ils sont à contre-archer, il y en a un qui joue à la pointe, l'autre qui a un archer plus long, un qui vibre beaucoup, l'autre pas. Ça sonne pas comme tout à l'heure. Mais c'est toujours Schubert, sauf qu'il faut qu'il soit d'accord. C'est indispensable qu'il soit d'accord, parce que sinon ce quatuor n'a aucune chance de survivre. Et il faut qu'il ait une conception claire, et donc pour ça, on le verra tout à l'heure, il faut qu'ils aient débattu de ces conceptions. Certaines versions peuvent les influencer, une influence esthétique, une idée, etc. Et il est fondamental qu'ils se mettent d'accord. Et s'il n'y a pas de cohérence entre les différentes façons de faire, eh bien... Ça ne peut pas donner un résultat convaincant. Donc, ils vous ont déjà joué tout à l'heure leur façon de le concevoir, mais peut-être que vous aimeriez le revoir maintenant, une fois que c'est remis en place et que tout le monde joue comme il faut. Oui, ce serait une bonne idée. Ce qui vous paraît évident là, c'est le fruit de beaucoup de travail.
c'est quand même beaucoup plus beau, non ? Enfin... Eh bien, c'est ce qu'on appelle la logique fusionnelle. Celle-là même qui anime les membres d'un quatuor et qui nécessite de leur part d'arriver à une esthétique commune et parfois de renoncer à leur propre conception intime. C'est le deal du quatuor. Les vibratos et les doigtés influent aussi beaucoup là-dessus. Par exemple, au début du XXe siècle, selon les traditions héritées du siècle précédent, les interprètes considéraient que l'émotion musicale se devait d'être rehaussée par différents artifices, des vibratos plus intenses, des langoureuses glissades. Et si le quatuor Modigliani avait vécu un siècle plus tôt, voilà comment il aurait sans doute joué ce quatuor. C'est ainsi que vous entendez, par exemple, le quatuor Busch, le quatuor de Budapest, ces quatuors qui ont formé l'élite des quatuors de la première moitié du XXe siècle et qui considéraient que ce pathétisme insufflé à la musique était une dimension nécessaire pour faire ressentir l'émotion. Et puis, une volonté de retour aux sources, notamment à la suite de recherches, de courants baroques, etc., a conduit à faire évoluer l'esthétique, à la dépouiller un peu, à alléger les vibratos, repenser l'articulation dans un plus grand dépouillement. Et bien voilà ce que ça donne dans l'esthétique du quatuor Modigliani d'aujourd'hui. On ne s'habille pas aujourd'hui comme on s'habillait il y a un siècle, ou a fortiori il y a deux siècles. Donc la mode évolue, l'esthétique du quatuor à cordes aussi. Mais il y a d'autres facteurs qui influent sur la perception d'un quatuor à cordes. Par exemple, la place des instrumentistes au sein du quatuor. Eh bien, elle a peu d'influence sur la sonorité. Même si vécue de l'intérieur, elle peut avoir une importance pour les musiciens. C'est ainsi que les quatuors américains, par exemple, préfèrent placer l'alto en face du premier violon, alors que les formations européennes optent plus volontiers pour un face-à-face entre violoncelle et premier violon, en plaçant au milieu les voix intermédiaires. Alors, voici la position européenne. Ce choix des Modigliani repose sur une logique, le sens de la tessiture du plus aigu au plus grave, de la droite jusqu'à la gauche. Et il favorise ce dialogue naturel, souvent souligné par les compositeurs, entre le premier violon et ce violoncelle, qui se font face à face, laissant au centre ceux qui font l'ossature du quatuor, second violon et alto. Maintenant, dans la position américaine, messieurs, ça donne ceci. Eh bien, c'est bien aussi, seulement ça... Alors, c'est hérité d'une tradition du XVIIIe siècle qui faisait que le violoncelle devait être proche du clavecin. Or, le clavecin était juste derrière lui. Bien. Mais ça a quand même un inconvénient, c'est que l'alto, lorsqu'il joue, eh bien, vous voyez bien que ses ouïes émettent vers les coulisses et pas vers la salle. Et puis, ça favorise moins le dialogue naturel entre premier violon et violoncelle. C'est un choix, très sincèrement, dans un enregistrement, c'est impossible de s'en rendre compte. Sur scène, ça peut avoir un effet visuel. Voilà. Et puis, il y a encore une troisième position qui est celle debout. Il y a quelques quatuors, désormais, qui ont décidé de jouer debout, par exemple les Artemis ou les Emerson. Alors,
ça donne à chaque musicien une plus grande aisance instrumentale. Mais, évidemment, le violoncelliste n'a pas d'autre choix que de jouer assis, en général sur une estrade. Mais elle leur confère aussi une attitude plus solistique. Et certains considèrent qu'on y perd un peu du climat intimiste, si propre à la musique de chambre. Quand on fouille bien les raisons qui ont amené certains quatuors à jouer debout, on s'aperçoit qu'il est plus anatomique que musical, et notamment pour des difficultés de dorsalgie très importantes qui ont fait qu'il ne pouvait plus rester assis des heures. Mais il ne faut pas le dire. Les timbres, ça joue beaucoup dans l'esthétique d'un quatuor. Quand un quatuor a des timbres acides ou des timbres veloutés, c'est tout à fait différent. Eh bien, la qualité des instruments est essentielle, car il faut arriver à une sonorité très homogène des quatre voix. Alors c'est déjà très difficile de trouver un très bel instrument dont les timbres soient à la fois lumineux, riches et profonds. Vous imaginez qu'il est encore beaucoup plus délicat d'en associer quatre qui se marient à la perfection. Quatuor Modigliani a le privilège de jouer quatre instruments italiens des XVIIe et du XVIIIe siècle, deux violons de Giovanni Battista Guadagnini, datés l'un de 1773 et l'autre de 1780, un alto de Luigi Mariani, daté de 1660, et un violoncelle de Matteo Goffriller de 1706. Ces instruments magnifiques permettent d'obtenir des fondus de timbres absolument sublimes, et je vous propose un exemple très significatif, Ravel, et vous allez voir à quel point ça donne une lumière exceptionnelle. Vous avez pu goûter ce fondu, ce soyeux velouté des voix de l'intérieur, la profondeur des graves et la luminosité de l'aigu, qui finalement doivent sonner comme un unique instrument à 16 cordes. Et on comprend pourquoi, malgré tout le talent des grands luthiers modernes, les musiciens d'aujourd'hui gardent toujours un grand attachement pour l'histoire que portent en eux ces prestigieux instruments des XVIIe et du XVIIIe siècle. Alors comment arriver à un résultat le plus parfait possible ? En termes de style, de timbre, de cohérence, comment aboutir à une unité de pensée entre chacun des membres ? Pendant longtemps, le premier violon, qui menait souvent lui-même une brillante carrière de soliste, avait un rôle plénipotentiaire. C'est ainsi que Jenny Zahi ou Adolphe Busch, dont la notoriété personnelle dépassait de loin celle de ses partenaires, régnaient en maître incontesté sur leur ensemble. Les décisions émanaient du leader. Au cours des années 30, et notamment sous l'impulsion du quatuor de Budapest, une conception plus démocratique de l'ensemble a vu le jour, donnant à chaque membre une responsabilité égale et un meilleur partage des rôles, et vous avez vu que ça s'est également traduit dans la conception du répertoire. Tout ceci marche de pair. Alors, Amaury, comment arrive-t-on à une homogénéité de pensée en matière de coup d'archet, de phrasé ou de tempo, par exemple ? Ce n'est pas simple. Non, effectivement, quand on démarre une nouvelle œuvre, parfois nous avons des versions en tête, un esthétisme. Il y a aussi la possibilité d'avoir joué des œuvres de ce même compositeur, donc d'avoir une sorte d'empreinte qui soit déjà présente. Et chacun, comme tout à l'heure, quelque part, a une idée, soit générale de l'œuvre, de ce qu'elle doit faire ressentir, parfois dans les détails, la façon de le faire. Et toutes ces idées sont confrontées, sont essayées, pour voir laquelle est finalement la plus efficace, parce que déjà nous devons nous mettre d'accord finalement donc, sur le discours. Et la véritable question pour nous, c'est comment le transmettre. Et comment est-ce que vous pouvez le ressentir. Et ça, c'est une tâche qui est à la fois difficile, mais passionnante. Et lorsqu'une décision est prise, bien souvent, elle change rapidement. Au cours du temps, il y a évidemment les concerts qui sont là, qui évoluent. Les cartes sont rebattues, puis nous-mêmes, nous évoluons. 2 ans plus tard, nous rejoignons
la même œuvre, et nous essayons d'autres choses. Donc c'est ce mouvement-là perpétuel qui est passionnant pour nous et qui est quelque part le Graal de la recherche musicale. Et la richesse de l'interprétation, évidemment. Et alors, comment décidez-vous, François, d'enrichir votre répertoire saison après saison? Parce que le répertoire est immense, il faut bien choisir un chemin. Eh bien, c'est vrai que nous avons la chance d'écouter beaucoup de concerts, comme par exemple en ce moment à Quatuor à Bordeaux, Festival Vibre. Et quand nous voyageons tous les quatre, nous essayons de nous nourrir des interprètes que nous découvrons, des œuvres, et puis aussi des amis, comme Jean-Michel Molcou, qui ont des discothèques assez exceptionnelles, et on pioche certaines œuvres qu'on ne connaît pas, et on découvre certains petits trésors. Donc on a décidé, par exemple, d'enregistrer l'intégrale des quatuors de Schubert, avec beaucoup de jeunes quatuors qu'il a écrit alors qu'il avait 14, 15 ans, 16 ans, et qui sont très peu enregistrés, très peu joués au concert, et au fond, dans chaque partition, il y a un coup de génie de Schubert. Et en même temps aussi la découverte d'œuvres contemporaines avec des compositeurs de notre temps, des compositeurs qu'on affectionne. Par exemple, on a joué une création de Philippe Herson l'année dernière. Cette année, on a un grand compositeur anglais, Marc-Anthony Turnage. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de faire la création française. Nous avons fait une première en Espagne. Il va y avoir une première à Vienne et bientôt, l'année prochaine, une création en France. Donc voilà, c'est des choix communs, un goût commun et le fait de... Au fond, de vivre ensemble, d'aller au musée ensemble, je pense qu'on a une identité assez forte de ce qu'on a envie de faire. Vous êtes devenu un grand quatuor à cordes maintenant, les Modigliani. Lorsque vous vous retournez sur le chemin parcouru, à quoi pensez-vous, Laurent ? Ouais, beaucoup de choses, mais principalement, je dirais, à l'amitié, ce sentiment de réussite à ce niveau-là, au niveau de l'amitié. La vie de quatuor, c'est une aventure extrêmement riche musicalement, mais extrêmement éprouvante et très exigeante de par le travail fourni, qui doit être fourni justement pour rendre honneur à ce genre musical. Et donc on a la nécessité de trouver un équilibre entre cette vie passionnante de quatuor et la vie, je dirais, normale. Et je trouve que c'est cette amitié qui a réussi à nous faire tenir autant dans... Voilà, toutes ces années jusqu'à aujourd'hui, et c'est assez riche et important. Voilà. Et alors, je sais qu'il y a une dimension maintenant qui vous tient beaucoup à cœur, c'est la transmission, Loïc. Et ce festival, on est l'illustration. Oui, tout à fait, c'est le cœur hein, de Vibre, de Quatuor à Bordeaux, autour évidemment du concours, mais aussi de ces trois quatuors là, qui sont présents sur toute la semaine. Nous, on a eu la chance, quand on était jeunes, d'être parrainés quelque part par... un illustre quatuor français, les Isaïe, qui nous ont non pas appris dans leur classe uniquement, mais qui nous ont motivés vraiment énormément, qui ont produit notre premier disque et qui nous ont amenés à jouer avec eux sur des lieux de concert. Et donc c'est aujourd'hui un peu à notre tour avec cet outil formidable qu'on a ici, cette ville incroyable, de pouvoir les aider à rejouer enfin en plus. Et c'est passionnant d'écouter leurs questions. Là, on parlait à l'instant des changements de place. Quelle position on doit adopter? Alors, quand on est un quatuor de tradition, comme la nôtre peut-être française, c'est naturel pour nous. Mais là, on a un quatuor Mona, il y a quatre nationalités différentes dans le quatuor. Alors, ils essayaient, on était ce matin à essayer les différentes combinaisons. Elles ont un concours dans 3 semaines, vivement qu'elles se décident. Pas du tout, pas du tout. Ce serait bien qu'elle se décide. Avant le concours, oui. Et alors, il y a une autre question que les gens se posent de temps en temps, c'est comment se nomme l'équateur? Pourquoi on choisit tel ou tel nom? Parce que pendant longtemps, il n'y avait pas à réfléchir. C'était normal qu'il porte le nom du premier violon. Vous voyez bien, quand M. Eugène Isaïe fonde un quatuor, s'il l'appelle le quatuor Isaïe, il a tout de suite des engagements dans le monde entier, parce que sa réputation est telle que c'est une assurance pour les quatuors. Et puis ce caractère un peu plénipotentiaire disparaissant, et ça s'est modifié beaucoup, et au fil du temps, on a trouvé que c'était peut-être mieux pour fixer une identité, faire appel à la patrie d'origine ou à la ville d'origine, quatuor de Budapest, quartetto italiano, quatuor hongrois, qui ne laisse aucun doute, sauf que les Budapest ensuite étaient tous devenus russes. Mais enfin bon, quatuor de Tokyo qui ont vécu aux États-Unis. Bon, c'est pas grave, mais elle avait pour avantage de pérenniser l'ensemble si par hasard le premier violon devait être remplacé.
Le principe était équivalent pour ceux qui prenaient, par exemple, le nom de l'institution d'où ils venaient, par exemple, le célèbre quatuor de la Juilliard School ou celui du théâtre du Bolchoï. Et puis, la profusion de quatuors rendit de plus en plus délicats les choix, conduisant à opter pour des noms ou prénoms de compositeurs. Amadeus, Beethoven, Bartok, Borodin, Smetana, Alban Berg, ou bien de luthiers, Guarneri, Amati, etc. Si les quatuors familiaux n'avaient pas de questions à se poser, puisqu'ils portaient tous le même nom de famille, comme les Hagen ou les Danel, eh bien, on a vu les artistes étendre leur choix au monde de la philosophie, de la littérature ou de la peinture. Emerson, Vermeer, Miro, Modigliani. Et pourquoi Modigliani ? Eh bien, c'est vrai que nous nous sommes rencontrés en 2003 au moment de la rétrospective Modigliani au Palais du Luxembourg à Paris. Et c'est un peintre qui nous a, au fond, tout de suite inspirés, qui est reconnaissable entre tous. Il a sa signature. C'est aussi ce nom musical, Modigliani. Et je crois qu'à la fois, quand on va dans un musée, on ne peut pas être insensible à Modigliani. C'est encore une fois ce personnage, ce tableau qu'on reconnaît tout de suite par son trait. Alors qu'à la même époque, on aurait pu confondre parfois un Picasso ou un Braque. Et ce qui est important pour un quatuor, c'est vraiment sa signature sonore, sa signature personnelle, être reconnaissable. Aujourd'hui, on peut reconnaître le quatuor Amadeus, on peut reconnaître le quatuor Alban Berg ou un comédien quand il parle. Et je crois que pour nous, au fond, ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir notre son propre, notre esthétique. Et il a écrit une phrase qu'on raconte depuis de nombreuses années, souvent, qui est « Ton devoir réel est de sauver ton rêve ». Et au fond, c'est une belle devise pour un quatuor à cordes. Absolument. Alors, vous avez remarqué que dans la plupart des quatuors à cordes, les deux violonistes ont une position fixe. Il y a un premier et un second. Et puis, dans certains, on voit les deux violonistes changer de position, alterner au premier et au second. Pourquoi, Loïc ? Eh bien, oui, nous jouons exactement le même instrument, les mêmes cordes. Là, on a en plus la chance de jouer des instruments du même luthier qui ont été fabriqués dans la même ville. Donc on pourrait, je suis sûr que tu jouerais parfaitement bien mes parties, Amaury. En fait, c'est plutôt une question, la majorité des quatuors est quand même fixe, une question de prédisposition, de tempérament finalement. Comme dans les équipes de football, vous allez voir plus certains attaquants et d'autres défenseurs, des sprinteurs plutôt que des grimpeurs. Voilà, si je parle plus particulièrement de mon rôle, moi je m'épanouis musicalement, et je donne certainement le meilleur de moi-même dans tout ce qui est le travail des textures, des mises en relief, de la profondeur des chants, d'une peut-être dynamique rythmique, d'une transmission d'une mélodie qui passait, dans l'exemple du Brahms tout à l'heure, de mon rôle qui était avec le violoncelle au premier violon, et ça je m'épanouis vraiment à chaque concert. Donc heureusement qu'il y en a beaucoup qui sont en prévision à nouveau. Et peut-être moins finalement dans la responsabilité de la conduite d'une mélodie où je me sentirais peut-être un peu plus à nu, ou plus ce en quoi excelle notre champion Amaury. Alors votre champ d'action ne se limite pas au seul répertoire du quatuor à cordes, parce que vous êtes le noyau même de la plupart des ensembles de musique de chambre. Mozart, par exemple, a écrit des quintettes à deux alti. Schubert ajouter un violoncelle, Brahms une clarinette ou un piano. Alors, ce répertoire, Laurent, c'est inépuisable. Effectivement, c'est un répertoire inépuisable et on a la chance, avec le quatuor à cordes, d'avoir un répertoire juste incroyable. Je crois qu'on n'aurait pas assez de toute une vie de quartettiste pour profiter de toutes ces beautés. Et le quatuor, c'est effectivement le noyau de multiples formations de musique de chambre, comme le quintet, le sextuor, l'octuor. Et nous aimons énormément partager avec d'autres musiciens cette musique. Parce que le quatuor, je crois que c'est fait de partage, tout simplement. On vit ça au jour le jour. Nous avons également aussi le besoin d'ouvrir et d'élargir notre champ de vision à d'autres formes d'art, comme la danse, qui a un mouvement et un rythme qui est très similaire à la musique, qui est très complémentaire. Dans la peinture également, on peut trouver beaucoup de complémentarité avec toutes ces gammes de palettes de couleurs. Voilà, il y a plein de choses à faire. On essaye de partager ça avec le plus d'artistes possible et puis en gros de décloisonner et de s'enrichir de toutes les autres formes d'art. Je trouve que c'est assez important. Je crois que tout le monde a compris que arriver à un niveau pareil demande des années de travail en commun, de réflexion,
d'approfondissement, mais aussi scellé par l'amitié. Mais rassurez-nous, est-ce qu'on peut s'amuser aussi en quatuor à cordes ? Le roi Anderson. Alors, comme l'a dit Loïc, il n'existait aucun ouvrage sur les interprètes du quatuor à cordes. On pouvait trouver quelques monographies sur le quatuor Amadeus, le quatuor Guarneri éventuellement, le quatuor Borodine. Mais sur l'histoire des grands interprètes qu'on fait le XXe siècle en quatuor à cordes, il n'y avait rien en aucune langue, à aucune époque. Et après avoir écrit deux tomes sur les grands violonistes, et pour avoir une très grande passion, comme vous l'avez compris, je crois, pour le répertoire du quatuor, qui est sublime, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de fouiller le sujet. Le parcours est considérable parce que je crois qu'on n'imagine pas, avant de s'y être penché vraiment, combien de quatuors ont existé au XXe siècle. Alors, pourquoi vous avez choisi le XXe siècle ? Ben, j'ai choisi le XXe siècle parce qu'au XXe siècle, on est passé de la préhistoire à l'histoire avec l'enregistrement. Et dans chacun de mes livres, il y a un CD qui vous permet d'avoir 6 heures de musique pendant lesquelles vous pouvez écouter chacun des quatuors dans un mouvement complet, très représentatif de son art. Et cet enregistrement, sur cette magnifique affiche de Cassandre qui montre un 78 tours avec un phonographe à aiguille, eh bien, ça a été une révélation parce que tout d'un coup, on pouvait s'inspirer de leur esthétique, on pouvait s'inspirer de leur sonorité, de leur vibrato, de leur conception de la musique, de leur tempi, alors qu'avant, eh bien, il fallait se contenter d'écrits qui en rapportaient les représentations. On n'a pas d'enregistrement du quatuor Isaïe. Je parle du premier, bien sûr. On n'a pas d'enregistrement du quatuor Joachim, alors qu'on a des enregistrements en solo d'Isaïe et de Joachim. Mais en quatuor, il n'y en a pas. C'était très compliqué d'enregistrer sur un mode acoustique. Les micros n'existaient pas. Il a fallu attendre les années, le début des années 30. Et donc, la trace sonore de ces gens n'existe pas. Donc, j'ai eu envie de commencer à l'aube de l'enregistrement.
Et quand on remonte à l'aube dans l'enregistrement, on découvre des choses tout à fait magnifiques qui ont été la base de la transmission des traditions, qu'elles soient russes, franco-belges, américaines, italiennes, de l'art du quatuor à cordes. Alors, voilà le quatuor Isaïe, vous voyez, le quatuor Joachim, pardon, vous voyez à gauche Joseph Joachim, qui a été le très grand maître du XIXe siècle, à qui Brahms a dédié notamment son concerto pour violon. C'est lui qui régnait en maître sur l'esthétique violonistique de l'époque en Allemagne, et ses trois compères, qui changeaient d'ailleurs de temps en temps au gré des humeurs du moment, n'en faisaient pas un véritable métier auparavant. Et c'est avec eux, puis avec Eugène Isaïe, qu'on a commencé à comprendre que le quatuor à cordes n'était pas seulement l'association d'un grand soliste et de trois petits compagnons. Alors, il y a une phrase assez célèbre d'un grand quartettiste que je ne nommerai pas qui dit « Pour faire un bon quatuor à cordes, il en faut un qui joue très très bien du violon et trois qui jouent très très bien du quatuor. Bon. » Mais c'est devenu tout à fait autre chose, ne serait-ce que pour aborder les répertoires de plus en plus exigeants. Vous savez qu'au XVIIIe siècle, le répertoire était conçu pour un brillant soliste, par exemple Ignaz Schuppanzigh, qui a créé les quatuors de Schubert et de Beethoven, ou Salomon, qui créait ceux de Haydn. Et puis, il y avait trois amateurs, c'est-à-dire des gens qui jouent un petit peu d'instruments de violoncelle comme ça, y compris le roi de Prusse pour Mozart, dont c'était franchement pas du tout la vocation. Et puis, c'est devenu de plus en plus difficile, et vous avez remarqué que les parties deviennent de plus en plus complexes, il fallait donc des musiciens de plus en plus aguerris. Et donc, les quatuors se sont professionnalisés. Et ça, c'est fin 19e, début 20e, encore que ceux qui ont pu en vivre réellement, c'est vraiment le deuxième quart du XXe siècle. Avant, c'était quasiment impossible d'en vivre, tout simplement parce que les cachets étaient inférieurs à ceux d'un soliste et qu'il fallait les diviser par quatre. Donc, c'était très, très compliqué. Et puis, les quatuors se sont professionnalisés et à partir du quatuor de Budapest, qui a eu un rayonnement dans le monde entier, on retrace l'histoire, la petite histoire du quatuor à cordes au sein de la grande histoire du XXe siècle, qui est truffé de catastrophes, on retrace le périple de ces gens qui souvent sont passés pour beaucoup de l'Est à l'Ouest. Et c'est un destin tout à fait passionnant. Alors, l'un des premiers quatuors français qui s'est fait connaître, et j'aime beaucoup cette couverture de programme de ma collection, où vous voyez le quatuor Capet, Lucien Capet à droite, était un illustre violoniste, surtout connu dans le monde entier pour sa technique de l'archet. C'est cette technique de l'archet qui a été importée aux États-Unis à la Juilliard School par Ivan Galamian, et c'est lui qui a transmis aux Américains la technique franco-belge de la maîtrise de l'archet. C'est un très très grand maître, et il a eu un quatuor, et on a la chance qu'en 1928, ils aient décidé d'enregistrer quelques cires. Avant, ils n'avaient rien enregistré, alors ils avaient déjà 25 ans d'existence. Et en 1928, ils ont enregistré 7 ou 8 grands quatuors, qui restent des jalons formidables dans l'histoire de l'interprétation, parce qu'on peut se baser. Et souvent, lorsqu'ils abordaient des répertoires, par exemple, de la fin de l'époque romantique, eh bien, on savait qu'ils avaient joué devant le compositeur. Et donc, cette esthétique était quelque chose qui était extrêmement proche de la conception même. Il y a des photos d'eux jouant avec Debussy au piano. Donc, ce sont des gens qui allaient à la source, comme maintenant on peut aller à la source d'œuvres contemporaines. Et c'est toujours une vision tout à fait passionnante de savoir que ça provient du compositeur lui-même. Alors, autre grand quatuor français de l'entre-deux-guerres, le quatuor Calvet, Joseph Calvet, dont j'ai eu la chance de suivre les masterclass quand j'étais étudiant à Nice, qui était un monsieur dont je n'imaginais pas à l'époque que j'écrirais un peu l'histoire et que je rechercherais avec avidité tous les enregistrements qui sont absolument exceptionnels. Et à sa gauche, vous voyez un monsieur qui le regarde d'un air très respectueux. C'est Joseph Gilevitch, qui a été obligé de fuir la France occupée et qui a fondé aux États-Unis le quatuor Guillet, il avait francisé son nom, et ensuite le Beaux-Arts Trio. Et puis, au cours du XXe siècle, sont apparus des grands maîtres qui ont diffusé non seulement leur science de la technique du quatuor, mais aussi leur science profonde de l'esthétique du quatuor à cordes, et notamment des œuvres les plus complexes que sont ceux de la seconde école de Vienne. C'est pour ça que j'ai illustré ici le quatuor La Salle, avec au premier rang Walter Levin,
qui était un maître incontesté dans ce domaine et dont les enregistrements servent de référence encore aujourd'hui à tout le monde. Chemin faisant, on découvre des associations tout à fait merveilleuses. Par exemple, ce quatuor né juste après la Seconde Guerre mondiale, qui est le Quartetto Italiano, que j'ai eu la chance d'entendre plusieurs fois sur scène, avec Paolo Borciani, dont un grand concours italien porte le nom maintenant, et qui sont nés juste après la Seconde Guerre mondiale, comme d'autres quatuors, ainsi que les Amadeus, les Borodine, les Smetana, et qui ont fait rayonner dans le monde l'Italie, qui n'avait pas de quatuor à cordes, et qui était connue essentiellement, comme vous le savez, pour ses chanteurs d'opéra. Les Amadeus, fibre et jalon indispensable de l'histoire occidentale, ont laissé des enregistrements inépuisables de beauté qui servent encore de référence à tous les grands quatuors d'aujourd'hui et que j'ai entendu très souvent. Alors, l'esthétique de ces quatuors, on l'a vu dans l'évolution de l'interprétation, a évolué avec le temps, avec les modes, avec des traditions instrumentales qui ont hérité les uns de traditions orchestrales, d'autres de traditions lyriques, et ont fait que la façon d'aborder le répertoire, qui est gigantesque, est évolutive. Elle n'est pas statique. On ne joue pas aujourd'hui comme on jouait dans les années 30. On a une face... Les éditions, même, ont beaucoup changé au cours du temps. Et le cheminement de ces hommes et de ces femmes au cours du temps m'a tout à fait passionné. Et notamment, comme dans d'autres domaines, la féminisation de ces quatuors. Vous avez vu Elisabeth Greffi, second violon du quatuor et quartetto italiano, c'est la première femme dans un grand quatuor d'envergure internationale. Ça se fonde en 1946. Avant, c'était quasiment inexistant. Il y avait quelques quatuors purement féminins, mais aucun n'a fait de très grande carrière. Et dans ceux qui ont fait de très très grandes carrières, il n'y avait pas de femmes. Eh bien, tout ceci évolue beaucoup. Alors évidemment, l'exemple du quatuor Alban de Berg n'est pas un bon exemple puisqu'il est purement masculin. Mais celui-ci, qui a vraiment pris la succession des Amadeus, a été dans la deuxième moitié du XXe siècle, je dirais, un jalon essentiel dans l'interprétation des quatuors de Beethoven et des quatuors de la Seconde École de Vienne. Et puis, le quatuor Isaïe a fait rayonner l'art du quatuor français, comme l'avaient fait ses illustres aînés Capet ou Calvet. Ils ont été les maîtres du quatuor Modigliani, et ce sont des gens qui, pendant 30 ans, ont gravé un répertoire d'une très très grande beauté et qui ont réussi à pérenniser l'esthétique française, qui est une esthétique, je dirais, plus souple, avec des teintes un peu plus pastelles que celles des quatuors russes et des quatuors américains, et qui est nécessaire dans l'équilibre, et notamment dans la perception de tout ce répertoire français très impressionniste, Debussy, Ravel, Fauré, Chausson, Saint-Saëns, etc. Des grands quatuors aujourd'hui, comme le quatuor Artemis, le quatuor Casals, le quartetto Casals, que vous entendrez dans quelques jours dans le cadre de ce festival, eh bien vous voyez que la féminisation devient de plus en plus nette. Hein. Et voilà. Et il y a même un des quatuors qui vient étudier aujourd'hui les masterclass avec nous tous, qui est un quatuor purement féminin. Le quatuor Modigliani fait maintenant partie des très très grands quatuors dans le monde, de ceux qu'on demande le plus partout, dans toutes les grandes salles, parce qu'ils savent faire rayonner une qualité d'esthétique de celles qui durent et de celles qui sont. Et c'est pourquoi j'ai demandé à ce grand quatuor du XXIe siècle d'avoir la gentillesse de préfacer mon livre sur les quatuors du XXe siècle, c'est-à-dire sur leurs grands aînés. Alors, bien sûr, je l'ai illustré de quelques photos un peu rares, mais je l'ai surtout illustré de mouvements complets de quatuors qui permettent d'avoir un panorama extrêmement étendu sur le répertoire depuis le XVIIIe jusqu'au XXe siècle, de façon à ce que chacun puisse se faire une opinion. Et il y a dans le CD qui accompagne ce livre 6 heures de musique qui viennent exclusivement de choses de ma discothèque. Il y a beaucoup de choses extrêmement rares qui vous permettent d'entendre les traditions viennoises d'entre les deux guerres, les traditions américaines, les traditions russes, et de voir comment chacun a défendu à la fois une identité et un répertoire. Je vous remercie.